C'est dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la ville de Joliette, le Centre culturel de Joliette, ainsi que le centre-ville de Joliette. Tout le monde s'est uni pour nous présenter tout un spectacle. C'est le cabaret en plein air au centre-ville. Et pour en parler avec nous, on a Gino Latendresse et Valérie Lorrain. Vous deux, bonjour. Salut. Salut Fred. Comment est né ce projet et ce spectacle qu'on promet, ma foi, extraordinaire? Ben, en fait, dans toute l'épopée du 150e de la ville de Joliette, on était appelé à faire des appels de projets. On était appelé à emmener des projets et nous, on avait envie de mettre, avec la Société du développement du centre-ville, de mettre en œuvre puis de montrer, de donner une plateforme aux artistes du coin, à ceux qui font de Joliette la culture, qui font vivre les vendredis soirs, les samedis soirs, qui font vivre, en fait, culturellement, notre belle ville. Donc, c'est une façon pour nous de présenter plein de gens qui sont associés de près ou de loin avec la Société du développement du centre-ville ou le Centre culturel. Donc, on s'attend à quelque chose d'assez hétéroclite là, comme spectacle. Là. Ça va être éclaté, on va aller dans tous les sens, là. Ah, écoutez, la programmation, les chansons, on passe de Valiquette à AC/DC en passant par Beyoncé, 21 danseurs sur scène. Sur la deuxième scène. Oui, sur la deuxième scène, exactement. Mais c'est qu'on veut vraiment rejoindre le plus de gens possible, plusieurs générations, de tous âges. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment vers un style qui est varié puis qu'on se limite pas juste à un. Donc, est-ce que c'est un band qui va faire plein de prestations différentes ou c'est plein de bands? Bien, c'est ça qui est le fun, Geneviève. C'est quand on a commencé à parler du projet, tu vois Denis Labrosse du département de musique et coordonnateur au département de musique de Joliette. On a ça juste à côté de chez nous. Ouais. C'est tous des musiciens professionnels. Tu sais, là-dedans, il y a un guitariste de Voivode, il y a un musicien qui joue à Belle et Bomb. C'est vraiment des pros. Denis Labrosse qui fait le Centre Bell avec le show Harley pratiquement chaque année. Donc, on avait déjà un groupe maison incroyable. Okay. Ils ont accepté d'embarquer dans l'aventure. Puis rajouter à ça ben, des artistes comme Cat Sunderland de Sainte-Cécile avec Michel Dufour. OK. On a Léa Morgan. Ben, de la voix, ben qui oui. Qui est sortie aussi de l'Académie, donc qui navigue beaucoup dans le coin. Puis on a la chance d'avoir Martin Deschamps qui va être là pour venir rocker le centre-ville pour le restant de la soirée. Wow. Qui va faire la partie AC/DC, moi, Martin, non? Un petit feeling. Je pense que je peux pas te le cacher. Plus que Beyoncé, moi, je dirais. Ça, oh non. Alors, mais ça serait le défi à Martin. Martin, dans le cadre du 150e anniversaire, une petite toune de Beyoncé. Et puis, tu dis à Léa Morgan, tu fais le AC/DC. Je suis sûr qu'ils seraient game, les deux, ben, c'est ça le pire. Léa Morgan, ah, avec oui. Vous, oui. Ah oui. Elle a une énergie tranquille, mais toute une énergie. Je pourrais dire aussi qu'en première partie, il y a un groupe blues qui est de Cinnamon and the Silver Boys qui vont être là. Donc, ils vont réchauffer la foule avant que les autres artistes arrive sur scène. Donc, ce sera un enchaînement. Là. On se mélangera pas toute la gang ensemble. Il va vraiment avoir spectacle après spectacle après spectacle. En fait, c'est un... Ou non, c'est un... Non, il y a vraiment... On lance tout dans marmite. Puis, on lance tout dans marmite et on brasse la soupe jusqu'à temps que les gens se lèvent et dansent. Et ben, avoir la programmation, ça sera pas très, très long. Non. Ben surtout que vous avez déjà la moitié du plancher de danse de rempli. Vous avec des danseurs déjà. Avec ça, 21 danseurs, ça l'aide, ça. Mais Fred, je te lance le défi. Si tu veux venir danser avec les 21, il y a de la place pour en prendre 22. Donc, il va se démarquer, Fred. Si tu veux venir danser, il n'y a aucun problème. Je te dirais qu'est-ce que blanc. Tu veux dire par là? Je sais pas. Mets-toi en blanc. T'es encore de Q-tips? Aussi gentiment de rouleau papier de toilette? Ou d'une belle guimauve? Non, mais c'est vrai que... Mais quel style on danse? Ben, écoute, on vient de parler de Valiquette et d'ici en passant par Beyoncé. Mais Beyoncé, je te vois, moi, là-dessus. Ouais, non, mais malheureusement, moi, je ne danse que le ballet classique. Put a ring on it. Ça peut s'arranger, sinon on peut trouver une belle chanson pour aller avec ça. Parfait, ben, allez-y, puis j'y serai, là. Faites-moi jouer, oui. Ça commence à 19h30. Le lac des signes. Voilà. Ça commence à 19h30 et on ne sait pas trop à quelle heure ça va se terminer. Donc le vendredi 26, oui. C'est ça. Donc, les chanteurs vont se succéder et ça se termine quand ça se termine. Mais on suppose que Martin Deschamps va être vers la fin. Je ne sais pas. On sait-tu? Je ne veux pas te voler le scoop, mais c'est non. À peu près ça. C'est un bon feeling, hein? Un bon feeling. On dirait qu'on s'est parlé avant l'entrevue. On dirait qu'on s'est jasé. Et j'imagine qu'on ferme le centre-ville à la circulation et tout ça. Oui, c'est le même principe que les spectacles qu'il y a les vendredis acoustiques. Et on invite les gens à apporter leurs chaises, bien sûr, mais à ne pas les utiliser et à danser toute la soirée. Ça va être la fun. Ah, je pense oui, vraiment. Avec la température qui va de côté, en plus, le soleil est 25, ça va être superbe. On mène une on superbe va être vie. Bien. La température va être au rendez-vous. Oui. Et je voudrais ajouter, bien important, il ne faut pas oublier qu'on veut remercier chaleureusement
Alliance Métal Québec et la Corporation des fêtes du 150e de la ville de Joliette. On les remercie pour cette belle programmation. On vient de comprendre vos rôles. Gino, c'est le tripeux qui trouve les musiciens. Valérie, elle s'occupe de l'argent puis du financement. C'est ça qu'on a dit avant d'entrer. C'est bon. Ben, vous deux, Valérie et Gino, merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon spectacle. Vous êtes bénis, hein? Vous vous rendez compte de ça, hein? 26 degrés qu'il va faire dans la journée. Il va y avoir du monde au centre-ville. C'est merveilleux. C'est écœurant. Tu pourras danser en petite tenue, frère. Body et tutu. Ah oui, ben que ça, hein? Vous savez. Mes yeux brûlent! Jamais autre chose. Voici Raffi, te souviens-tu? Merci beaucoup. Merci. Bye.